Eh bien, on est parti pour le quatrième jour. Donc, malheureusement, j'ai pas beaucoup filmé. J'ai que la vidéo de ma reprise. Je déroulais la club 2, l'excellence libre. Et donc, mon thème, c'était The Greatest Showman. Que je vais faire, du coup, pour pas trop encombrer la vidéo, parce que c'est cool de l'écouter avec la musique. Je vais juste vous donner les notes. Alors, au niveau du pas, on a eu un 7,5 et un 7. Au niveau du trot, donc le cercle de 12 mètres, on a un 6 et un 6. Avec bascule à nuque instable. Pour le cercle à gauche, du coup, on a pareil 6 et 6,5 parce qu'on demande plus d'engagement. Au niveau de la session à la jambe gauche, j'ai 6,5 et 6,5. On me demande plus de parallélisme, plus fluide, plus vers l'avant. Pour la session à la jambe droite, j'ai 5,5 et 5,5 instable, très plié à droite. Donc ça, c'est au niveau du trot. Au niveau du galop, j'ai un contre-galop à gauche avec un 6 et un 6,5. On me demande plus d'équilibre. Contre-galop à droite, j'ai un 6 et un 6,5. Plus d'équilibre, plus de rondeur, plus de fluidité. Et pour les transitions galop-trot à gauche, j'ai un 6,5 et un 5,5. S'ouvre et plus de fluidité. Et pour le galop à droite au trot, j'ai 5,5 et 5,5, résiste et heurté, très instable. Et au niveau de l'entrée et des arrêts début et fin de reprise, j'ai 5,5 et 6, contre la main et très ouvert, instable. Voilà, au niveau des notes artistiques en régularité, énergie des allures, j'ai 6 et 6,5. Au niveau de l'harmonie entre cheval et cavalier, j'ai 6,5 et 6, on me dit qu'il est souvent instable et contre ma main. Au niveau de la chorégraphie de la piste, j'ai un 6,5, un 6,5, beaucoup sur la piste, surtout au galop. Qualité des exécutions des mouvements, j'ai 6 et 6,5. Et pour la musique, concordance avec les allures et les transitions, j'ai un 7 et 6,5. On met un petit commentaire en faisant attention à la mise en main et au contact. Maintenant, je vous laisse regarder. Nous accueillons maintenant le discours d'offre. Maya Berne avec EuroHS.